Fabienne. Je vais vous parler de mon engagement pour les personnes qui n'ont pas de logement. Cet engagement, il vient clairement de l'appel du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ses amis, c'est facile. Mais quand on regarde un peu autour et qu'on voit des personnes qui sont à la rue, qui n'ont nulle part où aller pour dormir, on se dit que c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai du mal à supporter l'idée que des personnes sont à la rue, à côté de chez moi, dans ma ville. Donc par rapport à ce constat, avec mon mari, on a mené différentes actions, on a essayé de faire quelque chose, mais on se sent vraiment démunis, on se sent tout petit. Et on a réussi à trouver une solution en participant à la création de l'association 100 pour 1 Loiret. Donc 100 pour 1, c'est 100 personnes, 100 familles, qui donnent 5 euros ou 10 euros par mois, selon leurs moyens, pour loger une famille. Donc concrètement, on a une petite action et on a un grand résultat. Donc il y a également bien sûr une équipe de bénévoles qui va accompagner cette famille. L'objectif, c'est vraiment que cette famille revienne à une vie en société normale, que les enfants soient bien scolarisés, que les parents travaillent, que leur vie de famille soit riche et agréable. Donc on va avoir accompagné ces personnes au quotidien dans différents aspects. Et c'est là où l'engagement aussi prend tout son sens, parce que en côtoyant quasiment quotidiennement ces familles, on met beaucoup de sens à l'action que l'on mène. C'est en donnant que l'on reçoit, disait Saint François, ça se prouve tous les jours, hein, on se le prouve tous les jours. Donc cet engagement, il a aussi beaucoup de sens pour moi, parce que c'est un engagement à plusieurs. C'est un engagement qui démontre ce qu'on dit souvent, mais qu'on n'applique pas assez, c'est que tout seul on fait des belles choses, mais plus on est nombreux, plus on peut faire des grandes choses. On peut vraiment modifier la vie de d'autres personnes en se mettant ensemble et en s'alliant pour mener ensemble une action. 100 pour 1 Loiret, c'est exactement ça. On mène tous des petites actions pour avoir un résultat qui est qu'on a aujourd'hui logé 4 familles depuis 2 ans. On loge 4 familles, dont 11 enfants, dont on a transformé la vie aujourd'hui. Donc c'est clairement pour nous, pas pour moi, un vrai motif de satisfaction. Et j'ai vraiment l'impression de faire personnellement mon devoir de chrétienne en donnant du temps à cette association. Et ça me comble.